Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans la poubelle? Avant tout, bonjour à tout le monde. On trouve toujours quelque chose d'intéressant. Par exemple, les vendre. Puisque moi, j'ai une petite maladie, j'ai trouvé une belle chose. La maladie, en fait, je ne suis pas malade, mais c'est que c'est intéressant. Je les ramasse et je les vends. Et je vends. Et je vends, évidemment. Ajournement. Aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo. Il est exactement midi quart. C'est l'heure de manger. Qu'est-ce que j'ai trouvé dans la poubelle? La mort. Voilà, c'est une belle statuette qui représente la mort. Et eh ben, il n'a rien, il y a juste un petit bobo ici. Mais sinon, le reste, ça va, hein? Ça fonctionne. Ah. C'est bien fait, hein? Combien je peux la vendre? Je regarde un peu sur Internet, je pense 30 euros. 30 euros. Là-bas, c'est la joie. Eh bien, j'ai même terminé celui-là, en fait. Quand j'ai posté les vidéos Metal Detector, donc c'est pour les enfants, pour peindre, avec une forme, je ne sais pas quoi, j'ai coupé la tête au chef, puis je l'ai recollé, c'est leur problème maintenant, ces petits chiens. Waouh, eh oui. Ça va être toujours comme ça, parce que maintenant j'ai la plante, l'arbre. Bien, je vais vous faire visiter tout d'abord. Enfin, mon jardin. J'appelle ça jardin écologique, je dois ramasser des noix. Donc, comme vous voyez ici, j'ai une longue vigne, enfin, longue, fait à peu près 8 mètres. Donc je dois la couper, évidemment, évidemment. Je vais couper à partir ici les pointes. Je vais couper les pointes. Comme ça va pas plus. Il n'allonge pas plus les murs. Et cette année, ça va. Enfin, l'année prochaine, ça va donner grosso modo une vingtaine de grappes, c'est bien. Donc, je dois couper là, ici. Je vais couper l'œil, on l'appelle l'œil. Voilà. Et après, on verra. Et j'ai cette bête d'arbre. Ça fait maintenant 30 ans qu'elle est comme ça. Enfin, c'est moi qui l'ai poussée, il avait quoi? Il avait à moi et c'était tout petit, un tout petit comme ça, une toute petite plante. Et regardez, les bordels qu'il m'a fait, c'est des noix ramassées évidemment. Par contre, c'est des bonnes noix.
J'ai fait. C'est partout, hein. Donc j'ai déjà fait un saut. Mais non, puisque je filme avec les téléphones, pour ne pas l'éteindre à chaque fois, mettre une pause et retourner la vidéo, je fais tout simplement comme ça, j'espère que ça marche. Voilà. Et donc, je suis dans. Vous me voyez? Je suis dans l'objectif. Donc, ça tombe même sur la table. Alors, j'emploie celui-là pour le ramasser. Voilà. Et je mets là-dedans. Oui. Parce qu'il noie. Mouillé, c'est pas bon, hein. Puisqu'il a plu. Donc ici, si à Bruxelles maintenant il fait 10 degrés, il y a du vent, évidemment. Et voilà, je vais poster une nouvelle intro. Je suis occupé de me perfectionner en faisant les vidéos, naturellement, évidemment. Et voilà. Par contre, c'est ça j'ai trouvé, hein, aussi. Ça je garde. Ça c'est j'ai trouvé avec le métal d'applateur, le métal détecteur. Oui. Alors, oui, j'allais dire une chose. La friteuse, je l'ai mis dehors parce qu'il vaut mieux faire les frites dehors. Eh oui. Voilà, je dois nettoyer les jardins, la terrasse d'abord, parce qu'il y a des noix partout. C'est pas encore fini. Suffit d'enlever la peau. Et tu as la belle noix. Voilà. Maintenant, on voit légèrement ma tête. J'espère qu'il ne tombe pas. Pas tomber, pas tomber. Donc, je fais un système comme ça tout doucement. Je vais voir quand je vais poster cette vidéo. C'est un petit vidéo, évidemment. Évidemment. Et voilà, ça va. Donc, j'envoie des compliments où je suis abonné à plusieurs chaînes. Ils m'ont remercié, ces messieurs, parce que. Ils sont très contents. Moi, je suis pas tellement. L'égoïsme, je le mets à part. Ben, ça sert à rien à être égoïste. Et surtout, il faut s'amuser les enfants aujourd'hui. Et surtout, être les plus simples, faire des vidéos les plus simples possibles, parce que j'en ai pas, j'ai pas. Comme on appelle les drones, ça coûte trop cher. J'ai une caméra Caddy HD. C'est une petite caméra Canon. Elle a maintenant 7-8 ans. Ça fonctionne toujours. Puis mon téléphone, voilà. Les dernières Samsung qu'ils ont fait, c'est génial, paraît-il. Il y a même une télécommande, ils sortent des bics, qu'on les met dans. Je sais pas où. Pas là, hein? Pas là, non. Et il paraît qu'il est bien, mais il coûte quand même 1000 euros, hein? Si j'ai bien vu sur les tutoriels, il y a beaucoup de tutoriels, je regarde beaucoup de tutoriels. J'ai vu un bon van aménagé, un fourgon aménagé, Volkswagen, il coûte à peu près 60 000 euros. Et il est grand, hein, donc il peut dormir à 4, même à 4. Mais il est grand. Et ils l'ont bien conçu. Voilà. Alors, pour ma trouvaille, donc je vais faire bientôt c'est la brocante. 30 euros. Ça tombe du ciel. Ça tombe du ciel. Voilà. Vous campéristes,
quand vous êtes dans un parking, il y a peut-être les autres campéristes qui s'arrêtent et qui jettent des trucs, même des casseroles qui sont presque nouvelles, quoi. Vous la nettoyez un peu, vous pouvez la revendre. Moi, je pense qu'il y a un chapatelain que vous faites, surtout les nomades, il y a un coin pour faire la brocante, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Il faut vivre de quelque chose. Moi, pour l'instant, je suis ici. J'ai pas de voiture, était vendue. J'ai vendu ça 5 000 euros. Ça fait mal au cœur parce que je pouvais la garder. Et bientôt, ça sera les vannes. Je suis pas normal, hein. Pépé Fata est pas normal. Il est complètement Fata, oui. Peut-être Pouillon, je ne sais pas comment dire, comment on décrive ces mots, les mots, les mots, les mots. En tout cas, elle est bien, elle est bien, elle est bien. Elle est bien. C'est la mort. Ah oui, à la fête d'Halloween. Pour les enfants, je vais mettre celle-ci, hein. C'est génial. Hein. Elle est géniale. Hein. Pourquoi ils l'ont jetée? Pourquoi? On se demande. Hein. Ils l'ont jetée pour moi parce que je ramasse tout le temps. Voilà. Voilà. Et alors, avec cette mini vidéo, je ne sais pas si c'est mini. Je suis arrivé combien? 4-5 minutes, non? J'aimerais bien encore parler, bon, mais ça va quoi. Maintenant, je vais préparer la bouffe. Et solution quand on est seul. Des raviolis en boîte. Mais je sais faire à manger. Je dois faire des vidéos recettes. Vous allez voir, c'est très amusant. Vous faites à manger avec moi. J'ai vu la dernière vidéo de la famille Ross. Ah, quel beau paysage. La Bretagne, ça doit être un bon patelin, comme on dit quoi. Un bon coin. J'aimerais bien y aller. J'ai envie de m'arrêter où il y a la cascade. Qui monte toujours les camperistes, quoi. Par vidéo, évidemment. Bien, au revoir. Au revoir tout le monde et salut.